Je vais présenter les autres Jaron Love, qui sont autistes résistants. Depuis le début qu'il est là, et bien, il capable de parler des autres. Merci. Et bien, bonsoir. Comme ils disent, non, moi, c'est Jaron Love. On travaille sur un projet. Vous pouvez trouver aussi sur les réseaux. C'est Kush Edition Art Labo. C'est un laboratoire artistique informel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je ne vends pas de l'art, je propose de la médiation artistique. Ça veut dire que tout ça, ce qu'on voit là, enfin, pas les sculptures, c'est l'autre collègue qui a fait. Mais par exemple, ces vinyles là, ces tableaux là, l'autre côté là, ces récupérations, customisations à bouteille, à pot, comment qu'a aimé on l'eau la nati. Et derrière tout ça, il y a des messages. Je ne dirais pas subliminaux, mais bon, au-delà de l'œuvre, il y a des choses à dire et il y a des choses à lire dedans. Et un bon moment, on a travaillé avec différents artistes ici dans, nous avons formé en équipe qui compte toute équipe qui connaît tout et bas, mais nous avons essayé pour Tom en Eve, qu'on s'en doit pour nous voir d'ouvant et surtout pour transmettre passion là, kilti là. Et art-là, vocation-là, envie-là pour tous ces petits jeunes-là qui viennent après nous. Enfin, moi, personnellement, c'est ça qui est le premier objectif à moi ici dans, c'est que demain, tout petit monde peut ni l'opportunité de savoir qui talent aille. Jaron Love, mais son nom est cherché loin. Hein? Jaron Love. Dieu est vœu de l'amour, voilà. Donc, Jaron Love fait nous... On bitin là, on petit tableau en laisse ça. Alors encore penser que moun ki ni ti moun ki ka jeté bitin ki pas savent ka pou yo faire ti moun ayo les ni vacances. Quoi dire ouais, ka fait chaud. Ah c'est ti moun ayo là. Ay jouer en bas. Et que ceci et que cela. Mais sont acheter deux trois petits potes petits que pour ces ti moun a pas amuser yo. Se met ton grand tapis à tel bon morceau carton. Et zo ba ces ti moun on porte petit couler à tel pour yo faire des bitin. Mais yo peut faire belle ti bitin comme ça bazat hein. Super support là ça, son support tout mon maniaque en dit dans kazayo. Et en calé ces autres deviner 3, 2, 1, 0. Vous n'avez pas deviné, c'est couverti à en boîte à glace. Voilà. Alors, avec Timoun Azot, vous pouvez faire des bitins comme ça. Jaron Love a montré nous aussi des plantes dépolluantes. Alors, en calé, si vous expliquez nous, fonction à chaque ces plantes-là. En calé, c'est Mikou là-bas. Alors, ces plantes-là, c'est des chlorophytum pour celle-là, une orchidée, famille d'orchidées pour celle-là. Et l'idée, c'est de travailler sur le recyclage, comme j'ai dit. Donc là, tu as les 10 autres, c'est en boîte à glace. On bitait que tout ni à casa azote aussi. Au lieu d'aller acheter des pots à chaque fois pour mettre flé azote, les ont qu'à manger un haricot vert, un champignon, peu importe. Et ils ont qu'à récupérer les boîtes-là, petits, grands, et ils ont pu bailler un style, ils ont pu bailler un feeling. Et ça a tchembe plante là bien en dedans et contrairement au plastique, ça a duré plus longtemps et ça a permis nous de réutiliser des bitets que nous avons jetés au quotidien. Donc il faut savoir aussi, comme je t'ai dit, c'est de la médiation artistique aussi que je propose. Donc je propose aussi des ateliers pour adultes, enfants ou mélangés en famille aussi. Où justement l'idée c'est que chacun puisse venir avec son objet à récupérer, à customiser et repartir avec sa création. Ah c'est bien, les enfants peuvent venir ici aussi. Tout à fait, ouais. Je vous invite tous à vous abonner à l'Instagram, puisque régulièrement il y a des ateliers, des événements. Okay. Pour tout le monde, pas que pour les petits, les grands peuvent s'essayer, et tu vas venir essayer aussi. Mais parce oui. Que c'est ma fille qui fait ce genre de choses et qu'elle pourra même se joindre à vous. Et voilà. On dit à l'américaine, parce que c'est qui a bon nous fait ça et qui a travaillé avec nous, les petites mains qu'on ne voit pas. Voilà. Eh bien, nous, on va continuer, mais on note customisation. Là, on tout pas trop en laisse cette tablette-là, ça. Mais on peut bien dire que c'est un petit bitin qui a couvert en boîte de glace qu'on a acheté. Voilà. Tu accroches au mur avec juste du découpage, un petit truc, peu importe, on dirait une plaque d'aluminium, ouais, avec du double face, c'est ça. Exactement. Eh bien, nous allons retourner, Carole, nous allons avec nous, nous allons continuer, vrai, restant ces monakistes-là, les artistes résistants qui ont occupé l'espace-là, qui est très bien, très propre. Très bien entretenu, pas ni pont, et puis alentour, nous avons un petit jardin, nous avons verdure alentour. Alors à la limite, nous demandons est-ce que nous pouvons garder ça comme ça et puis faire notre travail alentour à ça. Why not, pourquoi pas? Franchement, en tout cas, il faut nous essayer de tenir compte de ça parce que ça nous va les matériels, mais immatériels incommensurables que nous pouvons nous rendre compte vraiment de ça parce que nous avons toujours. Dans tous les jours, hein,
Mais parce que même sur les murs, là, nous voyons le travail d'artistes, oui, oui. Des travaux qui ont été effectués par des artistes résistants, mais bien qu'à coûté cher. Ouais, ben je suppose. Moi, je ne suis pas une critique d'art, mais je pense que si on fait venir un expert, on a pas mal de chiffres cumulés. Là, avec, ouais. Donc ça a de la valeur. Et puis même au-delà de l'argent, ce que ça représente, voilà, inestimable. Eh bien, merci en pile. Nous avons retourné par Tivoué, Sandokan, qui mène nous voir d'autres amis qui sont ici. À tout à l'heure. Yassai les peuples, Yassai Sando. Respect à toute l'équipe, respect à la famille, respect à tout le peuple qui a regardé nous. Moi, c'est Grégo, donc président, fondateur à Original Guada, un mouvement créé en 2016 pour l'épanouissement des jeunes, pour nous porter manœuvre. Donc, nous créons des projets, assis l'aspect sportif, assis divers aspects. Et puis là, bon, nous ouvrons un stand, ça fait à peu près 3 ans, nous avons des fruits et légumes. Parce qu'effectivement, il faut nous augmenter la capacité en nous à consommer, habiter en nous-mêmes. Habiter en nous-mêmes quand nous avons planté avec les agriculteurs. Habiter à la Dominique, parce qu'on est gingembre à la Dominique. Parce que nous avons pensé caribéen, nous avons pensé panafricain. Nous avons une vision, nous, nouvelle génération, qui bisait entamer une nouvelle page à payer en nous. Parce que nous avons souffrance, nous avons jeunesse capatie, nous avons un centre des arts qui est à l'abandon, qui, voilà, c'est pour ça, grand respect à toutes les équipes qui passaient là. Et nous, qui équipe là, qui est là, nous visons réellement sous des peuples en nous, à son objectif. Objectif là, c'est en continuité historique à l'histoire en nous. Histoire à Negmaon, histoire à monde qui résistait, qui peint et qui soumettait yo. Histoire à monde qui toujours portait mon œuvre pour que c'est l'amour qui a rayonné. Pourquoi vrai? Mais nous n'y a dépoussiéré. Jean là nous a parlé, Jean là nous a voué les choses pour nous pouvoir plus loin. Et c'est ça nous justement nous a proposé, en nous essayer de faire le mieux. Et le résistant qu'il a, nous en résistance. Mais au-delà de résistance là, en nous porter manœuvre pour nous pouvoir changer les choses. Et ça nous qui peut faire rien qui ensemble. C'est pour ça nous qui peut faire rien qui ensemble, mais rien qui avec il tient en nous. Nous a crié tout le monde. Tous les petits, qu'on les grands, nous a fait des ateliers tressage coco, ateliers en toute sauce, atelier à planter, nous avons un jardin Bocas là. Maracoudja a presque grimpé en toutes 5000 mètres carrés là. Parce que c'est Eve Maracoudja, Eve Nati en nous, nous disons être fort. À part Eve, tout ça, il y a proposé nous. C'est Eve Alikama en nous. Là, nous avons des bananes, nous avons des avocats, nous avons des poudres de gingembre, nous avons des patates douces. Et moi-même, apprendre à fouiller Fougéon. Fougéon là, qu'on a vu là, qu'on a filmé Talé. C'est un bel travail, la natique abonne nous toutes, mais on l'a nous regarder, on nous garder à dans le bon sens. Et normalement, c'est l'école en nous qui va apprendre nous faire ça. Et l'école n'est pas bon. C'est pour ça que, au-delà de Vente Fruits, au-delà de Original Guada, nous sommes un mouvement global, un mouvement pour nous rassembler tous les ingrédients, pour nous faire fort en tant que peuple, pour nous arrêter de baisser tête. Qu'on si nous pas ni histoire, qu'on si nous pas ni culture, qu'on si nous pas ni terre, qu'on si nous pas ni jeunesse, qu'on si nous pas ni potentiel. Nous champions du monde dans on l'obité nous champions du monde à nos capacités en nous à faire qu'il tient en nous rayonner nous nions qu'il tient et en nous pratiquer moi personnellement justement c'est ça qu'a fait encore renforcer moi dedans parce que l'école là il pas bon et voilà c'est Santini a dit donc Original Guada les résistants qu'il a nous pour l'épanouissement à peuple en nous pour libération à peuple en nous et ça c'est avec qu'il tient en nous avec histoire en nous ni potentiel. On nous apprend nous aimer nous. Nous n'y projet à Sandokan, à dans toute filière à Coco là, Sabel. Coco, c'est une grande école, qu'on dit le grand frère, l'ami du monde. Chaque merveille, la nature, c'est une grande école. On nous garde en sens à l'école là, ça. Respect à Sandokan qui, justement, apprend moi à rentrer en l'école à Fougéon. Bien, bonjour, bien bonsoir à tout le monde, hein, quel que soit la zone là. Eh bien, nom d'artiste, c'est le Fab. Je crois que c'est le fabuleux ou bien le fabricateur, le Fab. Et voilà, moi, c'est un des arts, c'est un petit bon coordinateur à ce qu'il a fait ici. Dans. Et voilà, qu'il a fait avec joie et plaisir. Sur le domaine artistique, en tant que qui t'aime dessiner, en particulier pour un artiste de base. Et c'est là, venant à des arts, là, bon, obligé pour un. Vous pouvez pas habiter là si on considère aussi qu'on est artiste. Alors maintenant, c'est à la peinture et qu'on fait pas mal de choses à l'air là. Et voilà, bien mis ça. Et parmi ça, on travaille. Bon, là, pas ni portable, tout seul, on travaille ici parce que je suis déjà parti.
Mais en travaillant ici, tu as là avec un artiste noir, c'est Jamie. Nous avons en fait des, Jamie fait portrait là et participe à la décoration là aux alentours. Et voilà, c'est Motunde. Tu veux absolument que je voie personnage là ça parce que c'est un book qui était très important pour nous, afro-descendants. Et ben, il est parti trop gabonais. Mais pour revenir au centre des arts, nous toujours dans l'optique de l'art et la culture. Ça nous a fait, c'est nous a organisé des marchés d'agro-transformation. Nous, déjà, les filles ont organisé la journée, et, la journée des droits de la femme avec la fille de Marie Scondé. En fin de compte, nous avons diversifié nous, dans ces événements-là. Nous avons fonctionné aussi avec des associations extérieures. Qu'on au plus belle natif qui a organisé des journées sur le bien-être et nous des associations comme l'esprit contré aussi qui a nous force c'est une association à jeunes il y a l'eau fille dedans mais ici bouga aussi il a joué tabou il a fait l'eau bitter c'est formidable et but en nous c'est toujours même bitter là quand il continue à quand il reprend travaux là au centre des arts pour que il finit c'est pour que la Guadeloupe toujours ni lieu là ça parce que c'est Adam que grand-mère nous et maman nous passer jeunesse à yo moi en passe peut-être moins temps parce que c'était bouxabim mais mon là pas passer longtemps ici dans une histoire union cœur union âme et j'ai déjà laissé âme là ça péri mais 10 ans après fermeture voilà il va revivre d'une autre façon c'est-à-dire beaucoup en l'odeur visuelle et en invité tout le monde Guadeloupe à venir ici dans on sait que nous on peut comprendre que ici dans c'est juste un squat que là bon nous pas foutre à med non au contraire nous faisons l'obitin nous j'ai fait des ateliers différents ateliers de customisation de t-shirts avec Ja One Love de Penti de différents tressages de coco nous avons fait ça avec des associations avec des jeunes avec tout ça qui veut faire nous avons lancé un appel aussi aux artistes qui peuvent venir laisser un point à eux au centre des arts là ni place toujours les gars et les femmes pour leurs produits ni place toujours ni mieux libre toujours sur leurs produits sur leurs faits sculptures si vous avez laissé un point à eux au centre des arts là ni place toujours voilà et pour finir juste venir on veut pas rentrer dans la politique mais obligé parler d'être toujours pas quand même parce que c'est eux qui a géré bâtiment là alors les derniers temps nous voit que capable s'est lancé c'est bouger yo car il s'est bougé quand même pour que les travaux reprennent car voyez qu'il a lancé des annonces des appels et ben quand il relance un appel aussi pour bailler force à capable silence aussi hein ben nous qu'a invité à tout ça qui peut aider le centre des arts à reprendre tout ça qui ni l'argent en fin de compte nous qu'a parlé franchement tout ça tout guadeloupéen qui ni l'argent pas laisser incident mort on peut faire un bitin incident regarde autres franchement c'est de communautés ont déjà acheté ont déjà fait bitin à you. Si vous pouvez vendre, c'est vous savez bien pourquoi vous ne pouvez pas vendre suivant parce que vous savez que si vous vendre, c'est à part un centre des arts de la culture qui est là encore. Alors, en cas de dire ça tous les Guadeloupéens, on a dit Guadeloupéens, c'est afro-descendants, indo-descendants, arabo-descendants, parce que vous suivez tout ça qui a fait la communauté Guadeloupe là. Ici, il faut nous sauver pour tout le monde. À part même pour nous encore, c'est pour tout le monde. Et c'est très important. Et, voilà, si vous avez créé un peu de silence, vous avez fait un peu de sinon, vous avez dit aussi la région, arrêtez de dormir, la région, franchement, désolé, mais vous n'avez pas regardé nous. Un peu de silence, c'est important, mais un peu de silence et force là, pour que le bâtiment là finisse, c'est important. Voilà, sinon, nous avons une équipe artiste ici dedans, venir peindre, chanter. Agro-transformateur, beaucoup avant de fruits et légumes, maquilleuse, danseuse. Ça n'a pas fermé rien qui n'a la visuelle peinture, ça dans toutes les dimensions. Nous, toute qualité mon ici dans vers nous. C'est une expérience magnifique qu'on a vécue avec. Voilà. Encore merci ETV de venir voir nous. Ça très bien. Et merci à tous les médias qui nous donnent la force. Yes. Alors voilà, nous sommes toujours au Centre des Arts. Nous venons joindre les artistes résistants, Raphaël, chez vous, et Murphy, qui a nous coûte caméra là, pour ETV, que vous avez regardé si Fruits, vous avez regardé si SFR, et ni des mounes en France qui capturent l'écran à vous pour te montrer que l'émission là, il y a tant salon, il y a regardé nous. Donc, tout le monde qui est en France qui a regardé nous, eh bien, force et l'amour. Tout le monde aussi qui est en balan, qui a besoin de tout très fort. Et en cas de
l'épisode continue, bon nous force là, continue à garder nous. Alors Sandro Kane qui en mission qui a travaillé Coco, qui a fait tout ça qu'il y a à faire avec Coco, eh bien nous venons rencontrer, il j'ai expliqué nous tout ça qu'il a fait, mais nous que revine parce que pour bien qu'il y a fait là, qu'il y a montré, nous ni des étages que nous pour visiter, nous commencer avec le rez-de-chaussée, mais nous que monter et nous que revine, nous qu'a promettre ça. Alors maintenant qu'il y a Sandro Kane qui a basote la suite de ça et qui montre les autres invités parce qu'il y a tant de nous et il mène monde bon nous. Alors là bravo, hein. Mais là, quand on joue en côté site, faut nous manger, nous voir quand on arrive là, quand je vous fais, excusez-moi, mais bon. Alors, Sandro Kane, voilà, je te laisse avec tes invités. Nous, en équipe ici, donc, son soldat aussi. Et puis, lui, c'est manger, il a fait, et puis, il a fait d'autres bites, mais il explique les autres. C'est Chang. Yes, ça. Ben bon, quand on croit vrai, ben, son artiste en Aïtal qui n'est là, bon, ici, c'est résistant, hein, qui ici, donc, ça a été normal pour moi aussi de faire partie de grande danse à résistance là, ça. Il faut savoir que la résistance est capable de différents chemins. Il y a des gens qui sont à la rue, des gens qui sont à la bureau, des gens qui travaillent la localité, qui travaillent pour produire nous, par nous, pour nous, avec des bio en nous, sans passer par manger à d'autres mondes. Et ça, c'est important. Bon, c'est un peu tout ça que nous amène là. Avec quoi nous avons dit que c'est consommation engagée, commerce solidaire, hein, c'est ça qui est capable de passer par là. Commencer par nous, force là entre nous. Donc là, nous avons des petits fruits à pain, des petits papayes, des bananes corn, des petits figues pommes, bon, tout. Tout John a parti, vous connaissez, mon ici sucré, donc mon a venu rapidement. Et donc, mais voilà, ça a fait à la normalité d'être là avec ces frères-là. Tout le monde a dans le combat. Et ben pour nous, le but là, c'est vraiment mettre en avant tout terroir en nous. Tout ça nous n'est comme potentiel, parce que souvent, nous pensons nous limiter, que ouais, nous ne pouvons pas faire ci. Mon rêve, c'est de quand on fait fromage de coco, quand on fait beurre de coco. Et on avait ben, envie de dire, voilà, c'est ça qui a montré nous qu'il y avait produit en nous. Nous n'avons tellement bite que nous pouvons faire, nous n'avons tellement alternatives que ben, c'est une méchanceté de ne pas occuper d'elle et de ne pas mettre ça en avant. Alors pour moi, voilà, c'est en forme de permanence qu'on a créé, en permanence à étal, en permanence à manger en nous que nous mettons en cacla. Et comme ça, pour tous les jours, et d'ailleurs, nous apprenons à pit, donc on va savoir, à pas forcément l'eau plantation qui n'y. Donc ça va mettre accès à un petit manger normal, local, à étal. Tous les jours du lundi au lundi, 24 heures sur 24, en la pointe là, et pour moi, ça c'est important. C'est dans chaque commune, nous pouvons consentir un stand permanent qui a bas manger à pépaye et manger sain, manger qui bon. Et ben pour moi, c'est une première victoire que nous avons fait. Donc voilà, et ben c'est un peu raison moins qu'un là. Ben nous avons situé nous ensemble, ben nous pas lâcher le combat ni la lutte. Et ben bien entendu, hein, le CAC. Nous toujours dans le développement aussi pour le CAC, pour le Centre des Arts, hein, pour savoir qu'est-ce qu'a fait devenir hier, parce que les artistes jamais de mots à yo, la population jamais de mots à yo. Et comme d'habitude, eh ben, c'est en question de la politique que nous attendons pour dérédier yo, tibre, ou j'en comprends, mais nous j'adore.